Je m'appelle Yves Le Traon, je suis professeur à l'Université du Luxembourg. J'effectue ma recherche au SNT, donc un centre de recherche interdisciplinaire en sécurité, fiabilité et confiance, qu'on appelle donc le SNT. J'effectue ma recherche dans une équipe qui s'appelle Serval, pour Security, Reasoning and Validation, qui s'intéresse à la qualité des logiciels et à leur sécurité, et aussi aux aspects d'intelligence artificielle. La recherche que nous effectuons dans l'équipe Serval porte sur trois sujets importants. Tous ces sujets sont reliés à la qualité des logiciels qui sont déployés. Alors, le premier aspect qui nous intéresse, c'est le test des logiciels, qui vise à éliminer un maximum de bugs, de défauts dans le système avant qu'ils soient mis en production. Et en lien avec ça, tout ce qui est lié à la localisation des défauts et à leur correction automatique. Un deuxième aspect, l'aspect sécurité des logiciels. On travaille sur différents sujets. Et la dernière dimension, c'est les aspects intelligence artificielle. Et effectivement, en lien avec les deux premiers, comment on peut déployer des systèmes à base d'intelligence artificielle, de techniques d'apprentissage qu'on appelle machine learning. Comment faire pour les déployer d'une façon qui soit sûre et sécurisée. Alors, nous avons été soutenus par la Société Générale qui nous a fait un don très utile. Et le sujet sur lequel nous avons été financés, c'est évidemment en lien avec le Covid-19, c'est la création d'un simulateur de sortie de crise basé sur des techniques d'apprentissage, donc d'intelligence artificielle, et qui a pour but, alors la version initiale, celle sur laquelle on a travaillé jusqu'à présent, c'est quelque chose d'assez gros grain. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée est la suivante, c'est de pouvoir, pour un pays donné, spécifier quel est le degré de confinement qu'on souhaite sur des gros paramètres, hein, donc l'accès au parc, l'ouverture des transports en commun, ce genre de choses, des paramètres assez gros grains, et de voir l'impact que ça aura sur le nombre de cas et le nombre de personnes qui se retrouveront être hospitalisées. Donc le simulateur, on l'a mis au point. Il est opérationnel en fait, et c'est un peu grâce à la Société Générale qu'on a pu développer et puis déployer ce simulateur. On a vu l'intérêt et la limite de ce simulateur. L'intérêt, à l'époque où la crise a commencé, donc il y a un an, on a commencé à réfléchir à cette chose-là et puis ensuite on a commencé à le développer. Et on est dépendant de deux facteurs pour développer une solution comme celle-là. Un, des données qui sont disponibles, avec le niveau de granularité et de cas correspondants aux cas qu'on aimerait bien pouvoir simuler, pour pas que ce soit trop éloigné. Donc dans le premier cas, les données disponibles, on en manquait, on en a eu suffisamment. Google en particulier avait mis à disposition pas mal de données de mobilité. Donc par exemple, pour chaque pays, l'idée était très simple, hein, pour chaque pays, on sait par ailleurs qu'ils sont confinés ou pas confinés à telle période, et on peut connaître les données de mobilité, qui sont des données agrégées, hein, ce ne sont pas des données individuelles, fournies par Google, qui disent, ben voilà, il y a tant de personnes en moins dans les parcs, tant de personnes, enfin le pourcentage de gens. Donc on peut établir une corrélation entre une politique de confinement qu'on connaît par ailleurs pour chacun des pays et la conséquence de ça. Et ensuite, l'idée, c'est d'agréger toutes ces données pour essayer de prédire, si jamais moi, maintenant, au Luxembourg, connaissant ce qui s'est passé dans d'autres pays dans le monde, eh bien, on espère qu'on puisse tirer le curseur et voir quel est l'impact. Alors, les premières simulations ont montré des résultats qui étaient très bons. Dans le contexte du premier confinement, on a même eu un Best Paper Award de une conférence d'intelligence artificielle sur l'aspect crise Covid-19. Donc, tous nos modèles ont montré qu'on collait bien avec la réalité, qu'on ne connaissait pas encore, donc les modèles étaient assez suffisamment précis. Simplement, le truc, c'est que la difficulté qui s'est posée par la suite, c'est un, l'accès à des données de grains plus fins, parce que, on l'a tous vu, les politiques de confinement, elles sont très différentes d'un pays à l'autre, et surtout, c'est un grain très fin, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire on va réduire, par exemple, au Luxembourg, on va demander un couvre-feu à 23 heures. Ça, on n'avait pas dans ces données-là d'autres. En France, ce sera 18 heures. Ailleurs, ce sera autre chose. Et puis, les magasins comme ci seront ouverts, ceux-là seront fermés. Donc, à ce moment-là, nos modèles sont moins pertinents avec les données qu'on a parce qu'ils sont trop gros grains et on peut moins facilement corréler. Donc là, il faut passer à une autre approche. Et c'est ce sur quoi on travaille actuellement. D'abord, c'est une bonne surprise. Ça réconforte, en fait, d'une certaine façon, de voir qu'on fait confiance aux chercheurs
pour contribuer à ce genre à trouver une solution, en tout cas contribuer à la gestion de cette crise du Covid-19. Et de voir un acteur comme la Société Générale qui vient nous voir, qui nous confie de l'argent, c'est vraiment une donation, donc c'est quand même un acte de confiance qu'ils nous font. On se sent soutenu vraiment. Et donc, du coup, ça nous donne une certaine responsabilité aussi, d'une part, d'utiliser cet argent de façon correcte pour les objectifs pour lesquels on nous fait confiance. Et puis surtout, comme c'est inattendu, ça nous fait comprendre aussi que finalement, la société luxembourgeoise, à travers, entre autres, la Société Générale, eh bien, elle nous soutient, en fait. Elle est prête à nous soutenir. Au nom de mon équipe, Cerval, au nom du SNT, je dis un profond merci à la Société Générale pour cette donation.